De passage dans l'émission Quelle époque sur France 2 en novembre dernier, Karine Le Marchand a été interrogée par Léa Salamé sur les relations qu'elle entretient avec sa fille Alia. L'animatrice de L'amour est dans le pré sur M6 s'est montrée plutôt cash à ce sujet. Figure incontournable du paysage audiovisuel français, Karine Le Marchand est principalement connue pour son travail en tant que présentatrice de l'émission L'amour est dans le pré, diffusée sur M6. Pour mémoire, l'animatrice a pris les commandes du programme lorsqu'elle fut recrutée par la chaîne en 2009. Depuis, elle est également devenue l'incarnation d'une autre émission emblématique de M6, La France a un incroyable talent. Samedi 25 novembre 2023, Karine Le Marchand était de passage sur le plateau du talk show Quelle époque, présenté par Léa Salamé sur France 2, dans le cadre de la promotion du programme baptisé Famille de paysans, 100 ans d'histoire. Au cours de son interview, l'animatrice a notamment été interrogée sur les relations qu'elle entretient avec sa fille unique Alia, qui a vu le jour en 2002. Si est-il vrai que votre fille vous appelle mon colonel? Lui a ainsi demandé Léa Salamé. Maintenant elle me dit pire, a immédiatement répliqué Karine Le Marchand. Elle vous dit quoi maintenant? A voulu savoir la journaliste de France 2. Je ne sais plus. Si est-il dur, a lancé la présentatrice de M6 à sa consoeur, avant d'éclater de rire. Si est-il dur d'être maman? A ensuite insisté Léa Salamé, qui souhaitait également connaître l'âge de la fille de son invité. Si est-il dur d'être maman d'une fille, a précisé Karine Le Marchand, avant d'indiquer que sa fille était aujourd'hui âgée de 21 ans. La journaliste de France 2, très étonnée, lui a ainsi demandé, et elle est dure encore? Ah oui ça dure, a immédiatement répliqué l'animatrice de M6. Elle vous en veut beaucoup? A surenchéri la présentatrice de Quelle époque? Non, mais en même temps on est très fusionnel donc ça pète, a conclu Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, le prénom de sa fille Alia n'a pas été choisi au hasard pour rappel, l'animatrice de M6 avait révélé à Magic Maman la signification du prénom de sa fille en 2016. Le père de ma fille est juif hongrois. Mon père vient du Burundi. Nous avions très envie pour notre fille d'un prénom qui évoquait nos deux origines. Chose qui n'était pas facile. Et nous avons trouvé le prénom Alia qui veut dire en swahili, donc pour les origines de mon père, la plus fervente, et en hébreu, la montée vers Dieu qui passe par le retour à la terre promise. Nous n'avons pas choisi ce prénom pour sa signification, car Alia n'est ni fervente, ni pieuse, rire. Mais nous étions très fiers d'avoir trouvé un mélange de nos deux origines, avait expliqué Karine Le Marchand.